Allez-vous-en, du balai. Allez, mon grand. Un simple torchon sert à faire avancer les bêtes récalcitrantes. Voilà. Bien. Les plus audacieuses arrivent au pas de charge. Chaud devant. Waouh, ça tapait fort. Vous avez vu ça? Mais les plus jeunes restent en arrière. Parfait, elle peut y aller. Elles ont peur de ce qui les attend. Vous voyez le numéro 10? Et fais gaffe. Oh! Leur cri attire l'attention de deux adultes. Et on ne vous a pas sonné, vous? Ils n'étaient pas dans l'enclos. Quand ils ont entendu les veaux pleurer, ils ont couru à leur rescousse. Ça peut être dangereux. Cette vieille bisonne, c'est sûrement la chef. Oust! Certains bisons vivent dans des sociétés matriarcales dirigées par la femelle la plus âgée. Une vieille bisonne a commencé à s'approcher. En général, elles ne craignent pas les humains et peuvent être très agressives. Si elles croient qu'un veau est en danger, elles feront tout pour le défendre. Allez, allez-vous-en, du balai. Vous devriez vous mettre en hauteur. Michel doit asseoir son autorité face à ses deux mamans poules. Fichez le camp. Avant qu'elles ne se ruent sur l'enclos. Oust! Il faut toujours avoir une porte de sortie. Ces animaux courent beaucoup plus vite que moi. Ils chargent à 65 km/h. En une fraction de seconde, la queue se dresse et ils vous foncent dessus. Allez, va-t'en! Voilà. Bon débarras. Le drame est évité de peu, mais le reste du troupeau est nerveux et commence à s'impatienter.